Bienvenue à toutes et tous dans le talk du jeudi qui est exceptionnel ce soir avec un invité spécial, une figure du journalisme sportif. Avant de vous le présenter, je vous l'équipe autour du micro avec Monsieur Gino Forte. Salut Gino. Salut Joe, salut Nico et salut à tous les sociaux et les suiveurs qui nous, qui nous regardent. Et Monsieur Jonathan D'Agostino qui est là. Salut Joe mais salut, salut Gino, salut Nico, salut tous les sociaux et salut tous les passionnés, parce que ça fait ouais. plaisir ce soir du coup parce qu'on va parler euh, vrai football, beau football. On sait ce qu'on vit actuellement à Bordeaux, donc parler un peu football, un peu plus de manière un peu plus légère, un peu plus joyeuse. C'est qu'une légende. Agréable. Voilà, c'est beau. On, on va s'oxygéner le cerveau. La thérapie <laughs> ce soir. Voilà, c'est notre thérapie. Il est là, il est en backstage. Je vais vous le présenter dans moins d'une minute, mais en tout, mais je dois vous dire, pardon, que. Euh, déjà, merci d'être avec nous. On est diffusé ouais. sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Merci de vous abonner aux réseaux sociaux, de liker la vidéo. Surtout si vous êtes sur YouTube, vous savez que ça nous aide. Je salue nos sociaux de Web Girondins, sans qui rien ne serait possible. Et je rappelle que pour nous soutenir et profiter davantage exclusifs, euh, articles exclusifs sur le site, vous supprimez la publicité et surtout, vous êtes prioritaire pour passer dans les émissions. Mais vous avez le lien dans la description de la vidéo sur YouTube pour, pour devenir sociaux. Si vous le souhaitez, c'est sans engagement. Vous regardez, vous testez, et puis vous accéderez au serveur Discord, où on a toute la communauté qui échange et qui est bienveillante. Voilà. J'ai parlé, j'ai assez parlé, mais tout de suite, on va accueillir notre invité. C'est le journaliste de la chaîne, l'équipe. Et auteur, monsieur Didier Roustan, je l'affiche tout de suite. Bienvenue Didier. Eh bien, écoute, euh, bonsoir à, à tous. Il y a du haut, hein. Nico, Joe, euh, Gino. Euh, <laughs> c'est ça, c'est vrai, vrai. <laughs> on est pas mal dans le haut. <laughs> on dans, on dans Bordeaux fait, fait, Bordeaux Et <laughs> Bordeaux, ouais, ouais. <laughs> quand on en fait les chaises le tout à avec Nico, euh, je disais, ouais, trois, ça, ça fait un peu les pieds nickelés. Mais ce n'était pas péjoratif. parce que On peut des fois. Alors le tout est de savoir qui est Philochard, euh, Croquignol et, et Ribouledingue. Mais bon, on verra ça plus tard. Ouais, moi, je lui ai dit on aurait pu faire les, les Dalton avec Joe. Oui, mais euh, il oui, Maintenant, on, on est quatre. quatre. Maintenant, ah non, on, on, quatre. Peut faire, ouais. on peut faire les Dalton. Maintenant, voilà. Ouais. Voilà. Mais quatre, qui est, est Joe, William, Jack, Avrel euh, Et Avrel euh, et Moi, je fais le petit nerveux, apparemment, du coup. Alors, si on fait par la tête. Je ne suis pas très grand, moi. Ah bon moi, j'ai souvent ah, faim et je suis un peu con, donc Avrel, ça, ça me va bien. Et je suis gentil. Avrel, il est gentil. Est ouais, fond, plutôt, plutôt voilà. quand même. Voilà. Ah, plutôt, un bon est... fond. Un on, bon est tous, fond quand même, on est tous oui, des gentils. Bon. On est tous des gentils ici. Oui, ah, Joe. Euh... Euh, Joe... Euh... <laughs> mais Joe, dans les débats hein, sur les Girondins. Euh... Oh, attention, et c'est un, pas... un peu plus ardu ouais, voilà. Il ne lâche pas le morceau. Il ne lâche pas le morceau. Oui, mais c'est argumenté. Oui, c'est vrai qu'on a une règle, on essaie d'argumenter. Voilà, c'est une règle. On peut avoir faux. un avis, mais faut il faut argumenter. Et il faut rester correct, toujours pareil. Voilà. C'est sûr. <laughs> Allez, euh, n'hésitez pas, je vous le redis, de liker la vidéo euh, pour Didier Roustan qui est avec nous. Mais avant ça, Didier, parce que là, il mm. y a un brave qui est là. Euh, ouais. C'est Gino Forte. Et pour... c'est grâce à lui que tu es là. Déjà, merci, Gino. Non, pas grâce. Euh, D'avoir noué le, le contact. Et il a préparé un petit texte pour toi. Ah, donc, euh, tout à fait. Donc, je vais vous, vous afficher tous les deux en haut de l'écran. On explique peut-être à ceux qui ne savent pas que les braves, oui. c'est le nom qui est donné à ceux qui ont, parce qu'il faut un certain courage pour euh, écouter les, les podcasts, comme ils durent entre une heure et quart et, et, et deux heures. Et les je braves, et, et les braves euh, sont, sont donc ceux qui, qui me suivent, notamment à travers les podcasts. Quoi. Exactement. Exactement. Alors. Allez Gino, on t'écoute. Il, le... il, a, il a la pression, hein. je te le dis, il a la pression. <laughs> non. Ouais, ouais, un peu. Nous ah recevons ouais, donc euh... le président des Braves et ce puzzle, c'est quelque chose, c'est mm. un moment de vie, c'est l'histoire, les enfants, la grande histoire de Didier Roustan. On y retrouve la passion pour ce métier au travers des rencontres, le voyage aussi qui est toujours présent l'engagement d'une vie, l'engagement citoyen de ce monsieur, l'amour de ce jeu et cette passion euh, incandescente qu'il le suit. J'ai connu Didier Roustan quand j'étais gamin sur la chaîne L'Équipe pour l'émission En fin du foot, une émission qui était si particulière, qui a été avec des journalistes, des entraîneurs, des consultants et qui avait euh, un grand mérite pour moi, c'est de m'instruire au football. Et j'ai envie de dire... Sur l'écran noir, Roustan en transe, moi, je me fais ma bonbonnerie Et quand on regarde ensuite un Boca River, en Argentine, on n'a plus les mêmes sentiments, on n'a plus les mêmes sensations, car on est emporté, on voyage et on est instruit d'une différente manière, donc on regarde plus les matchs de la même manière. Et Didier Roustan, c'est ça. C'est cette passion du foot, cette élégance, cette musique aussi à travers de ce qu'il fait. Et j'ai continué à suivre ce phénomène dans les podcasts. Ces podcasts qui peuvent aller jusqu'aux prolongations et même un peu plus loin, qui sont si longs où on a des sirènes, on a des loups de Francfort et des anecdotes si légendaires. Et le colonel en... Ati et le colonel et le... Ati. Et Ati. Et qui barie. <laughs> <laughs> un... ouais. En, en Roustanie, qu'importe le support, vous aurez l'ivresse. L'ivresse du football. Et c'est ça que j'aime chez Roustan. Roustan le créatif, Roustan l'authentique. Quelques traits, sûrement d'ailleurs, qui ont permis d'établir une vraie, véritable confiance et un, une véritable estime avec des grands génies de ce jeu. Et pour moi, ce n'est pas anodin qu'il ait créé ces liens tout au long de son parcours, tout au long de son histoire dans le football. Et Didier Roustan, c'est une pièce rare, une pièce unique, unique dans mon football. Un passeur d'histoire et de rêves, tel un numéro 10 légendaire, et on est très fier de vous recevoir aujourd'hui. Voilà. Oh Gino, je, bravo Gino. Euh, bravo déjà, bravo. Et, et je rougis. Comme je suis un peu mat de peau, ça ça se traduit <laughs> peut-être pas encore que avec la lumière un peu un petit peu étrange. C'était une force quand j'étais jeune avec les filles. Tu sais, c'est que des fois. Euh, on rougissait un petit peu, tu vois, quand on avait 11, 12, 13 ans, on était un petit peu ému. Mais moi, comme j'étais mat de peau, hop, je passais entre, entre <laughs> les balles. Non, mais, mais, mais merci beaucoup pour ces mots euh, si, si tendres et, 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 et si gentils et qui me touchent beaucoup. Merci. Et on sait d'où vient toi, il... ce romantisme chez Gino. Euh, oui. ah, c'est ah, pas faut... un brave par hasard. Les, les braves euh, se ressemblent en général. Euh, ah, si ah, tu es ouais. brave, c'est que tu as une sensibilité particulière. C'est c'est euh, normal. Et donc Didier, tu es là parce que euh, tu as sorti un livre. Hein, C'était l'occasion pour nous euh, de te solliciter euh, pour venir. Euh, Joe et moi, nous ne l'avons pas lu. Euh, on n'a pas eu le temps de le lire. Néanmoins, Gino, lui, l'a eu. Lu, et on va commencer euh, cette émission par... Des... Alors, on voulait commencer par uh, Gino, par ce, ce petit texte. Et ensuite, euh, aborder euh, le thème du football, des thèmes que tu évoques dans le livre. Euh, le thème des médias, l'évolution des médias, parce que tu es mmh. dans le monde des médias depuis les années 1970, euh, et ensuite terminé par les Girondins. Voilà, les Girondins de Bordeaux. Et ton regard, nous on a la tête dans le guidon des fois, et ouais. toi peut-être que tu peux nous apporter une vision, euh, je, je une, une vision, vision différente. Voilà un peu le, le fonctionnement de, de cette euh, émission qui va durer environ jusqu'à 20h30 peut-être. Voilà. On a le temps, on peut aller jusqu'à. Oh, voilà. <rire> <rire> et pour ouvrir cette émission, comme on va parler donc du livre et des anecdotes et du football, Gino, je te donne la parole. Oui, Didier. Alors, ce livre mm. Puzzle, euh, ouais. pourquoi ce livre à ce moment-là Parce qu'avec une carrière si riche, il y avait eu beaucoup d'occasions de le faire sûrement avant. Ouais. Et pourquoi ce moment précis Alors que tu te racontes beaucoup dans des podcasts et autres, c'est vrai, euh, depuis oui, pas mal d'années maintenant. De plus de plus de plus. Pourquoi ouais. ce... ce livre euh, ça, ça a mis du temps parce que c'est essentiellement par pudeur, euh, si tu veux. Quand, quand je, je parle de, de certaines choses que j'ai vécues euh, dans, dans, dans les podcasts, euh, je parle plus de, du moment qui, qui, qui sort de l'ordinaire que, que, que de moi, si tu veux. Euh, maintenant, depuis plusieurs années, c'est vrai, j'étais sollicité par euh, des éditeurs pour euh, un, un, un livre de la sorte. Et je répondais toujours euh, poliment non, et, et très rapidement non, parce que je trouvais ça un peu prétentieux de, de parler de soi, surtout que les écrits restent, tu vois, ça a un côté plus cérémonieux, quoi, euh, euh, l'écriture. Quand tu parles comme ça, bon, les paroles, tu vois, elles s'envolent. Elles, elles Alors sur des centaines de pages, parler de soi, waouh, c'est pas mon ça, truc. Bien sûr. Et puis. Des, des fois, tu sais, faut jamais dire non, euh, et tu sais pas, c'était ouais, sans doute le, le bon moment. Il y a un éditeur qui est venu me voir il y a deux ans, un hein, de plus, des éditions Marabout, donc. Et peut-être son, son approche, peut-être que j'étais plus prêt aussi, pour, pour des tas de raisons. Pour mes enfants aussi, tu vois, mes, mes enfants qui... Qui me voyaient partir toujours en voyage, aller au bout du monde, etc. C'était important qu'ils qu qu comprennent certaines choses, même s'ils savent qui est qu leur papa, bien sûr. Et on, on, on va dire que, voilà, j'ai entrouvert la porte. J'ai dit écoute, laisse-moi infuser, je te recontacte dans une ou deux semaines, on se revoit et peut-être va savoir. Et, et j'ai réfléchi, je me, je me suis dit euh, comment parler de moi sans parler de moi, quoi, dans, dans, dans un sens. Donc j'ai eu cette idée et tout ce que je vais dire maintenant, je, je, je lui ai proposé et il a tout accepté et c'est pour ça que bon, on, on a dit Banco. Euh, je voulais pas que ça soit dans l'ordre, déjà. Tu vois, j'arrive en 1976, je pose mon, mon pied à Cognac-G, patin, couffin, jusqu'à 2023, comme ça. Tu, tu vois, j'aime ouais, bien oublier les, les, les pistes. Donc, j'ai dit déjà les, les chapitres, il n'y aura pas d'ordre chronologique. Première chose. La deuxième chose, chaque chapitre, sauf accident, sera une histoire en soi avec un début, un milieu et une fin. Et après, on arrive cinq ans plus tard, dix ans avant. Là, je parlais d'un loup. Maintenant, je vais parler d'un pays, euh, etc etc. C'était l'occasion aussi de, de rendre hommage à des gens qui ont été importants pour moi parce que sans, sans les gens tu es, tu es pas grand chose. Et, et puis dernière importance entre guillemets, comme on dit que les écrits restent et sans prétention aucune, je, je voulais que ce, ce livre apporte quelque chose aux gens. c'est pour ça que d'ailleurs à, à un moment vers le début je parce que je cite beaucoup d'extraits de, 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 de musique, souvent anglo-saxonne, souvent rock, etc., un peu française parfois, si c'est Léo Ferré ou bon, Jacques Brel, je ne sais plus ce que j'ai mis, et, et cette, euh, cette chanson écrite par euh, Étienne Rodagil, et interprétée par mmh. Julien Clerc, où on dit à quoi sert une chanson si elle est désarmée, s'exclamer les Chiliens, bras dessous, poing fermé, et là j'explique aussi, à quoi sert un livre s'il est désarmé? Donc, à, à mon petit niveau, que, que, que ce livre, euh, voilà, il ne va pas changer la face du monde, c'est clair, mais si, il, il, il donne des petites choses euh, aux, aux gens qui, qui, qui les éveillent, qui, qui les sensibilisent, que, ouais, bah, bah, et bien finalement, ce n'est pas, pas, pas si mal. Il a tout accepté. Évidemment, je n'étais pas prêt en temps et en heure, ça, c'est ma spécialité, parce que. Au moment où je devais l'attaquer et le rendre, j'ai lancé l'appli euh, La Roustanie. La Roustanie. Donc, j'ai appelé, j'ai dit écoute, je veux bien te l'écrire, mais, mais je n'aime pas bâcler -bâ les choses, et, et ce sera le cas parce que je ne pas être sur les deux fronts en même temps. Donc, on a reculé d'un an, il a été correct. Après, j'ai attendu le dernier, 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 dernier moment. Chaque fois, tu, tu vois, je, je me faufilais. Et à un moment, par rapport à la date, il, il fallait que je me lance. Et je l'ai écrit en neuf en semaines. Et... et demi et ça a donné euh, ouais, et, demi, et, et ça a donné le, le, le bébé que, que voici et tu constateras que sur la une il y a un petit un mais comme tu l'as lu tu sais ouais. si on, on arrive à trouver une sorte de public enfin que l'éditeur lui se retrouve financièrement parce qu'à un moment il y a, il y a toujours euh, cet aspect là l'aspect matériel euh, pour ces gens là et, et c'est bien normal alors ok pour en faire un deux c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Et évidemment, bah, c'est leur intérêt. Et moi, j'ai dit OK, sauf si j'en ai pas très envie non plus. Ça dépendra aussi de moi, quoi. Tu vois, c'est pas comme, tu sais, souvent, les, 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 les chanteurs, ils sont bloqués par des maisons de disques parce qu'ils signent 4, 33 tours, tu vois. Alors, moi, je, OK sur, sur le, le principe, parce qu'en 428 pages, il y, y a plein d'histoires que je et ne peux pas cher. raconter, euh, bien évidemment. Il n'y a pas la panthère de Rio, il n'y a pas les loups de Francfort. Enfin, il n'y a pas que des animaux hein, dans le livre. Je vois, je <laughs> et, et je pense que potentiellement, je peux en faire quatre ou cinq. Tu vois Ah oui. Ouais, j'ai suffisamment d'histoires pour ça. Enfin, on, on verra bien. Voilà le pourquoi du comment. On est arrivé à, à ça. Super. Ça me fait penser à une chose, c'est que Didier, tu as créé tout, euh, tout un média autour de ta vision du football, euh, que ouais. ce soit dans les podcasts, dans les livres, tu dis que tu sortais l'appli, moi je ne savais pas que tu sortais l'appli. Ouais, bah, bon, oui, oui, non mais c'est rare quand même euh, qu'un journaliste qui a une vision vraiment euh, personnelle du foot euh, arrive à créer tout un écosystème comme ça autour de... C'est venu naturellement euh, parce que tu as ah, vu que au, les, au les gens. C'est-à-dire que euh, dans, dans ce métier et dans, et dans les émissions que, que, que j'ai fait, il y a, y a toujours euh, une certaine frustration parce que tu peux pas aller au bout de, 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 de ta pensée puisqu'il il y a il y a cinq six personnes et c'est bien normal et tu vas pas parler pendant un quart d'heure, tu vois. Même si des fois euh, je parle pendant une minute et le téléspectateur peut trouver ça long ce que je peux comprendre aussi, mais d'un autre côté, si on veut argumenter, bien expliquer les choses, il faut laisser un peu le, le, le temps au temps. Et comme je suis quelqu'un de, de curieux, alors c'est un peu le paradoxe, parce que euh, par certains côtés, je, je, je suis quelqu'un qui, qui est un peu à, à, à l'âge de la, des cavernes, quoi, si, 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 si tu veux, et, et je ne suis pas très technique pour tout ce qui est technique nouvelle, justement. Mais j'ai une collaboratrice pour ça qui s'est maniée dada da, Et au fil du temps, quand j'ai créé Roustan TV, tout ça et tout, j'avais aussi une ou deux personnes qui étaient douées dans ce domaine. Et je trouve que sur Twitter, par exemple, je suis assez actif. Euh, je, je trouve que tous ces nouveaux instruments, si, si tu les, les maîtrises euh, à peu près, que tu en es pas esclave non plus, bah, c'est une manière aussi de, de communiquer avec les gens. Et, et le podcast en est une. Avant le podcast, je faisais des blogs qui étaient assez longs aussi. Et bon, alors donc il y, y, y avait des, des images, etc., etc. Et après, qui même me suivent quoi. Euh, donc, alors tu vois, par exemple pour euh, euh, pour ce qui est de l'application La, la Roustanie, par rapport à l'écosystème euh, économique, en tout cas, euh, il n'y en a pas eu suffisamment qui m'ont suivi. Donc, j'ai arrêté. Mais là, je, je, je vais lancer une page. Là, ce sera gratuit. Mais, mais je faisais payer. c'était pas pour être riche, si, si tu veux, mais, mais par rapport. Euh, parce qu'il faut payer des monteurs, quelqu'un qui fait ouais. le tournage. Il ouais. y avait payer la SACEM pour euh, la musique. Euh, je prenais des choses de l'INA. Donc, il y avait des, des droits à payer. Donc, voilà. Bon, je. je J'étais OK pour mettre beaucoup de mon temps et de mon cœur, mais euh, j'ai suffisamment fait des conneries économiquement dans ma vie, parce que je ne suis pas un très bon gestionnaire, pour ne pas mettre tout ça en danger. Donc l'idée, c'était au moins, bon, si je ne gagnais pas d'argent, au moins ne, ne, ne pas en perdre. Et, et là, si j'avais continué, j'en aurais perdu. Donc ça aurait été un, un peu stupide. Et du coup, là, je vais lancer une page YouTube, la Roustani, très et bien. on verra si je trouve des, des partenaires euh, à, à droite à gauche. Quoi. Ah, très bien, oui. tu es, es très actif, hein. euh, ça fourmille. Hein. Ah, c'est, ouais. Ah, ouais. Gino, vas-y, tu peux poursuivre, vas-y, je te laisse la parole. Non, mais euh, justement, sur la, la capacité de création, notamment que tu, tu évoques euh, par rapport à ton métier, le journalisme sportif, mm. et euh, le fait que, euh, on le disait un peu, mais tu es quelqu'un de, de quand même particulier et d'atypique dans ce monde du foot. Euh, et je trouve que ah, c'est ouais. une voie qui qui est voilà qui est pas commune et c'est pour ça aussi qu'on apprécie Didier Roustan et d'ailleurs c'est pas c'est à chaque fois moi que j'en parle par exemple avec des proches ou des gens qui suivent le football c'est c'est jamais euh, l'entre-deux quoi c'est-à-dire mmh. c'est un personnage qu'on qu peut adorer soit que aussi on a oui. plus de réserve mais parce que c'est un personnage haut en couleur mmh. et euh, par rapport à, à ta capacité dans ce métier et les différentes expériences professionnelles euh, mmh. C'est ça que j'ai adoré aussi dans le bouquin, euh, notamment euh, celle avec euh, des hauts personnages de la télé, comme Jean-Pierre Elkabbach, notamment. Mmh. Mmh. Et tu as toujours fait preuve, entre guillemets, de, de caractère et, et d'authenticité par rapport à, à, à certaines périodes qui étaient plus ou moins simples, peut-être aussi dans ton parcours. Oui, ouais, bah, j'ai toujours été pris de, de liberté, et la liberté, euh, ça, ça a un prix, quoi donc j'ai très rapidement appris euh, mon, mon métier euh, à, à vitesse grand V parce que bizarrement on m'a donné à TF1 très très rapidement des grosses responsabilités. Oui. Tu vois des responsabilités qu'on donnerait peut-être au bout de X années à, à, à des gens. Euh, bon voilà, j'ai eu la chance que des personnes m'accordent leur confiance, mais j'ai fait en sorte euh, dès que j'ai commencé ce métier d'être moi-même et d'être le plus authentique possible. Peut-être par flemme aussi parce que j'aime pas jouer euh, des rôles, euh, c'est fatigant. Je pense que j'avais la chance, bon, d'avoir ces prédispositions euh, par rapport euh, au, au football, mais je me suis découvert. Même si quand j'étais gosse, beaucoup de personnes le, le disaient, des professeurs, tout ça et tout, j'étais un peu un cancre. Mais j'avais un côté artistique qui m'était toujours euh, en valeur. Donc ça. Ben, Je l'avais peut-être dans, dans, dans les gènes. Et à travers cet instrument, j'ai pu rapidement, euh, à travers des musiques, à travers des montages, à travers un certain sens de, de l'image, euh, montrer des choses qui avaient un rapport avec le football, mais euh, les, les, les mettre en perspective avec certaines métaphores ou une certaine sensibilité, tendresse, appelons ça euh, comme on veut. Plutôt que de faire dans, 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 dans la facilité, quoi. Euh, et, et après, oui, j'ai toujours dit ce que je pensais parce que j'ai eu toujours beaucoup de, de respect pour le, le, le téléspectateur, quoi. Donc, je ne voulais pas l'emmener sur de fausses pistes pour me protéger vis-à-vis -vis de certains joueurs, certains clubs ou, ou des… Des, des présidents gens, aussi. Ou des, aussi ouais, ouais dans… <laughs> Ou, ou, ou tout simplement des, des, des supérieurs dans, dans mon métier, quoi, tu vois, des patrons de service ouais, ou, ou des choses comme ça. Euh, moi, ma priorité, c'était le téléspectateur. Si ça ne plaisait pas à mes supérieurs et trucs, ben, je leur disais, ben, changez-moi, euh, ou je me casse, ce n'est pas, pas un problème. Et j'ai eu le luxe, du coup, chaque fois que je suis parti, eh ben, parce que j'ai quand même pas mal euh, vagabondé, et, et ça me va bien, euh, c'était surtout... De moi-même, enfin, ce n'était pas surtout, c'était chaque fois de moi-même, parce que j'en avais marre pour, pour X raisons, et surtout par rapport à des injustices euh, dont étaient victimes euh, plutôt des, des, des gens autour de moi, quoi, dans, dans mon métier, ouais. des, des, des premiers cercles, quoi, un hein, premier cercle. Pas par rapport à, à moi, parce que s'il y a des injustices par rapport à moi, je, je les règle différemment, pas en fuyant, justement. Mais quand je voyais que les gens se comportaient mal et trucs et tout, donc, j'ai quitté. Euh, euh, souvent euh, des endroits où j'avais un certain confort euh, une forte notoriété un confort économique etc et tout mais ce n'était pas un sacrifice parce que c'était c'était être moi quoi je n'aurais pas pu supporter de, de vendre mon âme euh, soit pour de, de l'argent ou, ou de la notoriété et le luxe entre guillemets ce qui était assez jouissif c'est que chaque fois que je suis parti, les patrons en question, alors là, on est au-dessus du patron du service des sports, quoi, hein, on est plutôt dans, dans, dans le PDG de la télé ou, ou juste en dessous, et eh ben, ne souhaitaient pas que, que, que je parte. Et, et, ils me faisaient des propositions financières que, en général, on refuse pas, mais moi, j'ai refusé parce que, voilà, je pas, si je pars, je pars. Euh, donc, je, je, je pense que les gens pas trop cons sur la durée tu peux tromper les gens sur 2-3 ans, 10 ans si tu veux peut-être pas aussi longtemps donc il y en a qui ont après ils aiment ma manière mon approche du foot ou, ou, ou ils aiment pas tous les goûts sont, sont dans la nature mais je pense que si tu es pas trop con au moins tu peux déjà respecter une, une, une certaine sincérité et authenticité euh, dont tu parlais euh... Voilà, mais après, s'il y a des gens qui ne comprennent pas ça ou, ou qui ne m'aiment pas et trucs, euh, ce n'est pas un problème quand tu touches des millions de personnes comme autrefois, euh, que ce soit par TF1 ou France Télévisions ou des centaines de milliers comme, euh, comme aujourd'hui. Moi, je comprends que tous les goûts soient dans la nature et que je puisse être agaçant aussi ou que, que j'ai une gueule qui ne leur revient pas. Parce que des fois, euh, si tu parles avec quelqu'un qui ne t'aime pas, le mec, il sait pas pourquoi, tu, tu vois. Ou c'est vrai que je suis pas dans la séduction. Ou si je veux critiquer, critiquer Mbappé alors que tout le monde aime Mbappé, Mbappé, aime Mbappé, c'est pas facile. Mbappé. Ouais. Et ben si je trouve qu'il a fait un mauvais match, eh ben je vais dire qu'il a fait un mauvais match. Euh, je, je vois pas oui. où est le problème. Et alors ça peut choquer des gens voilà. un truc, euh, mais moi je suis pas là euh, pour faire plaisir aux gens. Je, je suis là pour être le plus honnête possible. Même si je sais pas la science infuse, je, je peux me tromper. Mais alors ça sera comme Virenque, sure. Richard Virenque, je me trompe de bonne. foi. <laughs> la belle ouais, époque, belle ouais. époque oui, oui. Ouais. c'est oui. ouais, une génial. vision euh, qu'on aime bien ici, euh, <laughs> l'authenticité. Ouais, ouais. Après, ouais. Dans, dans des gros médias, elle, elle est plus dure. Plus parce oui. qu'il euh, y, qu y a des enjeux, tu vois. Euh, c'est ça. Voilà, bon. Et c'est là où Didier, des fois, l'équipe du soir, par exemple, pour prendre l'exemple, ouais. vous êtes le président à vie mais mmh. toujours révolutionnaire c'est un président à vie mais mmh. bon qui garde mmh. quand même certains ouais. côtés anarchistes on va dire mmh. Côté et des fois des fois moi ça me frustre un petit peu en tant ouais. que téléspectateur mmh. parce que le cadre de l'émission qui est super mmh. bien animé une, une émission que j'aime plutôt mais ouais. les sujets sont parfois un peu redondants et sont vraiment dans une actualité qui est qui est là aussi pour l'audimat et ça fait partie aussi des règles de la télé sûrement mais des fois le cadre fait que c'est parfois compliqué je trouve pas tout le temps hein, mais compliqué, certaines compliqué, fois c'est compliqué par rapport à quoi tu veux dire compliqué ben, parce que on a un sentiment que comment dire le foot est un petit peu pas aseptisé mais des fois va surtout vers les mêmes sujets et ah heureusement oui, d accord, d accord. des fois ouais, ouais. Ouais, des, ouais, je et que des fois que vous partez ben, en fait, tu pars vers des mmh. des histoires des choses qui vont être un peu qui vont oui. être en décalage un peu avec ouais, ce qui ouais. Ouais, ouais. ce qui serait euh, qu'on oui. voit beaucoup, quoi, les, les chroniqueurs et tout, et tant mieux qu'il y en ait, il y en a de très bons en plus dans l'équipe du soir. Ouais. Mais ça manque un petit peu d'une certaine euh, musique, moi, que, que je ne retrouve pas par rapport au foot d'avant. C'est peut-être euh, on est peut-être un peu jeune con en disant ça. Mais euh, c'est un peu ça, quoi, sur l'équipe du soir. je, ouais, je, mais... je Excuse-moi, ouais, Didier, je complète je la dire. question d'Arnaud du chat qui dit j'ai une question, je pense que ça se rejoint un petit peu. C'est dit peut-on ouais. encore être jeune journaliste dans le foot en restant authentique et sans compromission Voilà, j'ajoute ça. Et après, okay. euh, Alors juste, je donne la parole je, à Joe. Je réponds à, à, à Gino. Euh, le, le problème maintenant dans les télévisions, c'est un problème d'audience de, depuis qu'elles existent. Ouais. Quand téléfoot, ouais. qui a commencé en 77, et je, je parle en connaissance de cause, puisque j'y participais. Euh, Jusqu'en 87, avec l'arrivée des gens de chez Bouygues et donc la privatisation, on n'avait aucune mesure d'audience. Et c'est vrai qu'on parlait de matchs de deuxième division, d'un petit club original qui avait fait quelque chose. Quand, quand on faisait, il faut que les gens sachent, enfin pour les plus jeunes, euh, c'était le, le, le soir jusqu'à jusqu 81, en tout cas, de 77 à 81. Après, c'est passé le dimanche. Et il y avait chaque fois deux matchs de la soirée d'un résumé de 10 minutes, quoi, si, si, si tu veux. Et puis, il y avait d'autres sujets aussi, mais il y avait deux, deux matchs qui s'étaient disputés le soir même et qui venaient de se terminer, je sais pas, à 45 minutes avant, quoi, le ouais, temps de faire ça. le montage, etc. Et les matchs en question, ça tournait sur toutes les équipes. c'était pas que chaque fois, le match du premier, contre X mmh. et le match du deuxième ah, contre X. Ce n'était pas, ça. pour ainsi dire, chaque fois le PSG. à l'époque, le PSG si, n'était pas très fort. Mais je veux dire, aujourd'hui, mmh. on pourrait imaginer qu'il y a ce téléfoot là et tu verras toujours le résumé du match du PSG et le résumé du match de l'OM. Parce que tous les matchs se, se jouaient aussi le, le même jour et, oui, et à ça. la même heure. Mais là, tu voyais le 18e contre le 5e, tu voyais le 7e. Contre... Évidemment, c'était plus ouvert. Maintenant, il est prouvé... Euh, malheureusement, parce qu'on a poussé aussi les gens, pas que les gens téléspectateurs du foot, quoi, les, les êtres humains, tout ça et tout, à être de plus en plus voyeurs, à être de plus, ex plus excité excités par un train qui n'arrive pas à l'heure plutôt qu'un train qui, qui, est, qui, est, qui est pile poil, à chercher à se délecter de, de, de choses un peu plus sulfureuses. Et tu auras remarqué aussi que mais là, je parle pour les plus anciens. Les, les, les jeunes, eux, ils sont nés avec ça. Aujourd'hui, on parle plus de ce qui se passe à la périphérie du jeu que d'un match, match lui-même. Oui. Tu vois, là, ça va être le bus Califé de Lyon, ça va être la réaction, la réaction de la LFP, euh, ça, ça va être les, les droits télé, euh, ça va être... Euh, tu vois... Euh, Beaucoup de choses comme ça qui sont qui n'ont qui, qui pas un rapport avec le jeu, même, enfin, même s'il y a un rapport, mais il est extrêmement lointain. Donc il y a une approche du football maintenant qui est différente, et aussi pour les audiences. Si à l'équipe du soir, ou dans n'importe quelle émission, si tu veux tu, tu, tu commences à, à faire deux, trois sujets sur Bordeaux, puisqu'on parle de, de Bordeaux, les, les, les mecs se cassent. Oui. C'est comme ça. Donc, euh, bah, les, les, les patrons, euh, si, si, si tu veux, euh, même s'ils aiment le sport, euh, bah, derrière, derrière, ils ont des obligations euh, économiques. Et et tu contentes le plus de gens si tu parles du PSG, de Mbappé, de l'équipe de France, de, de l'OM, euh, ou, ou, ou des choses comme ça. Donc, euh, je, je peux comprendre cette frustration. C'est limites limite, ouais. C'est assez limite mais... pour moi. On va dire, dans le foot globalisé Alors, que et moi, j'aimais après... bien. Dans, dans tout ce qui est football euh, à travers internet et des gens qui parlent oui. football euh, et des matchs chose. machin ben, au sûr. moins à l'époque quand il y avait deux trois mmh. chaînes tu n'avais pas le choix mais, mmh. mais là ben, si, si tu veux écouter autre chose bien ben, sûr. Tu, vas, bien si sûr. tu choisis un podcast c'est pour ça qu'on existe pas, nous pas, pas, sur Web ben, on est oui, oui, très spécialisés exactement Donc oui, voilà. je comprends la frustration alors, alors, oui, je... la, la deuxième. Euh, oui, c'est ah oui. -ce qu oui, ah remettre... oui, vrai qu'il y a la deuxième question. Attends, <laughs> je te la, aussi, ouais, je te la remets. Euh, oui, C'était je, Arnaud je, je, Barret. Je souviens, oui. Est-ce qu'on pourrait être aussi authentique et sans compromission aujourd'hui euh, <laughs> Ça, oui. Hein. Euh, à mon avis, euh, être libre, euh, alors évidemment, c'est plus compliqué aujourd'hui. Il faut être plus, plus malin, peut-être. Euh, faut être subtil aussi, il faut pas arriver comme un, un taureau, tu vois, ou un éléphant dans, dans un magasin de porcelaine. Hein. Même moi, tu, tu, tu vois, je, je réfléchis euh, parfois, tu vois, je suis pas de demeuré qui arrive peut-être machin, je suis libre, je suis libre, je dis ce que je veux, boum, parce qu'il y a une manière de le dire, un moment pour le dire, donc faut pas être bien complètement bien crétin et, et, et au contraire. Euh, mais être honnête tout au long de, de sa vie dans, dans, dans son métier, et bon, là on parle de, du métier de. De, de, de journalistes, euh, ça peut être plus dur à mon avis à certains endroits quand même, de toute manière. Euh, je veux dire par là que j'ai quitté euh, téléfoot, enfin, TF1 en 89. Donc l'OM était, était comme ça quoi. Hein, je veux dire, devenait l'un des plus grands mmh. clubs français et commençait à mettre un peu le nez euh, à, à la fenêtre de, de, de la Coupe d'Europe. Et il est certain que si j'étais resté à TF1, quand l'OM euh, devient finaliste en 91 de la Ligue des Champions, et a fortiori quand il la gagne en 93, là j'aurais été viré. C'est sûr, ça aurait été mieux d'ailleurs, parce que j'aurais touché les indemnités, alors que là, que moi-même, euh, c'était peanuts, Mais je ne suis pas un bon homme d'affaires. Mais comme, comme Tapi avait une importance, Tapi était un produit de TF1, déjà. Il était un peu actionnaire à petite échelle, mais c'était un produit de TF1, pote avec le PDG, tout ça et tout, puisque c'est lui-même qui les avait briefés avant qu'ils euh, ils défendent leur, leur projet auprès du, du, du CSA euh, en face de Hachette, parce qu'il y avait Hachette et Bouygues. Donc Tapi était très pote avec les patrons de... de, de TF1 et lui-même était un produit de TF1 puisque il faisait une mission à 20h30 Ambition ou je sais pas trop quoi et puis mmh. il était incontournable et comme moi je serais allé jusqu'au bout c'est-à-dire que même si machin si Papin fait semblant dans la surface et eh ben j'aurais dit Papin fait semblant dans la surface c'est pas pour le plaisir euh, d'emmerder tapis ou, ou l'OM bien au contraire euh, mais je sais que j'aurais été jusqu'au bout et, et le bout aurait eu une limite là parce que les gens de TF1 m'auraient dit ok L'OM, c'est un produit de TF1, euh, M. Roustan. Donc, soit vous le comprenez et vous êtes toujours dans le sens de l'OM, euh, soit euh, vous, vous gardez votre côté euh, Don Quichotte, et auquel cas ça ne va pas aller. Et donc, j'aurais répondu, bah, maintenant on va discuter indemnité, parce que je vais garder le, le, le truc de Don Quichotte, et quitte Don Quichotte. à me s'aborder. Parce que qu'à TF1, quand je quitte TF1, je suis un petit roi à TF1. Là, il faut être très ancien pour le savoir, c'est-à-dire je suis patron du football responsable de la rubrique football à TF1. Je suis responsable de, de, de téléfoot. Euh, et comme il y avait très peu de chaînes, bah, euh, comme on te voit beaucoup, euh, tu es une, une vedette de, de la chaîne. Quoi. Pas au niveau de, de, de certains, hein. pas Patrick Sébastien, Sabatier ou Sébastien, ou le mec qui présente 20h, euh, évidemment. Mais tu es le petit roi. J'ai quitté ça pour être... Euh, Loin d'être petit le roi, puisqu'il y a une émission mensuelle sur Canal qui n'avait pas la puissance euh, d'aujourd'hui. Mmh. Mais, mais ce n'était pas grave. C'était vraiment, j'en je, avais aucun, aucun regret, aucune aigreur. Et, et je sais que j'aurais pas pu me supporter en, en, en restant. quoi Donc, ce n'était pas la peine. Alors, mmh. donc, c'est sans doute plus dur aujourd'hui, en tout cas, on va dire, pour répondre à la question. Mmh. Mais je pense qu'on peut toujours, mais plus dur. Arnaud dit, édifiant comme réponse, merci Didier. <laughs> le chapitre sur tapis est très bon, hein, d'ailleurs. Ah ouais ouais, bah, bon. ouais, ouais, ouais. Bah, sur l'intégrité, ça en dit beaucoup sur vous. Plus sur vous que sur tapis pour moi. Oui, mais ça en sur dit le... aussi euh, sur tapis Et tu vois, sa puissance, son intelligence. Oui, c'est vrai, sur ce côté-là. Mais on, côté, peu, côté, qu on, qu on le connaît un peu. Son connaît aussi, quand même. Ouais. Euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce oui. que là où c'est très dangereux mmh. et là où ces mecs sont forts, c'est que... Ils ont aussi des, 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 des bons côtés, ils sont, ils sont oui, très, très, les très, les très charmeurs. Je pense qu'à euh, travers le livre, je, je, je montre des choses qui ne sont pas racoleuses, mais ça permet aux, aux gens aussi d'avoir oui. certaines histoires un, un peu l'envers du décor, des histoires qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sont pas oui. amenés à connaître. Et puis il y a 47 ans de football, mais il y a aussi, mais on est en train d'en parler d'ailleurs, 47 ans de, de, de télévision. Donc, euh, pour les gens, et voilà, c'est important que, que ça soit assez riche pour eux. Ce si c'est parler... pas là-dedans pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est là-dedans qu'ils vont... On va parler de 4 -4, du 4-4-2 du Brésil en 70, du WM de ceci ou Non, le football est en toile de fond, le football est un prétexte et, et, et on n'est pas dans la tactique pure et dure. Euh... Ouais, voilà, qu'apprécient que, qu parfois les, les, les supporters. On est plus dans quelque chose de... Voilà, une sensibilité, une, une, une émotion et, et des découvertes, je pense. Peut-être qu'on voit les choses un peu différemment après l'avoir lu, dans certains secteurs, en tout cas. Et puis, vous retrouvez euh, le livre, si vous voulez l'acheter, allez-y. Il est partout. <laughs> je ne sais pas s'il est partout. Dans euh, Amazon ou à partout, ça dépend Oui, aller oui. Aller oui, après, les grosses ah, les ouais, surfaces. Bah, c'est bah, plus sympa, sympa d'aller chez un libraire. parce que Oui, c'est oui. le même est prix, en plus. Donc et euh... s'il n'est pas chez et le libraire... Bah, vous le commandez et comme fait. ça vous faites voilà. euh, une petite BA parce que pour les libraires c'est plus dur que que les, les grandes surfaces comme ça. Ouais. Ouais. Petit coucou à la librairie Georges euh, à Talence, très très ancienne voilà. librairie. Euh... allez à la librairie Georges à Talence. George, <laughs> voilà, euh, Joe, euh, je te donne la parole. On change un peu de l'univers du livre euh, ouais. avec euh, ta deux questions je crois. Ouais non mais après j'avais déjà une question par rapport au rapport média justement et monde du football notamment joueurs et entraîneurs parce que dans ma jeunesse, j'avais le souvenir que les journalistes voyageaient avec les footballeurs quand il y avait des déplacements européens, etc. Et tout. Et, ouais, c'est vrai. Et euh, en fait, on a l'impression que maintenant, euh, justement, une personne comme comme toi est plus proche du spectateur, ou en tout cas avec les avec Internet et tout, les réseaux, tout ça, c'est plus facile de communiquer ouais. avec les avec les spectateurs ou en tout cas les supporters. Alors qu'avant c'était plus difficile. Mais Maintenant, là, on a l'impression que les, le que le rapport joueur et surtout entraîneur avec face aux médias, ça c'est vraiment un petit peu. Euh, il y a une distance qui s'est créée. Et on sent que c'est plus une relation conflictuelle qu'autre chose comparée à avant. Alors, conflictuelle, si tu sais... conflictuel, je sais pas. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai connu cette période, alors pas celle de, de, de mes prédécesseurs qui, eux, ouais. alors même ils prenaient le train, tu vois, et ils jouaient aux cartes à, à, ouais. avec les joueurs à l'époque, de <laughs> de Reims, Raymond Copa, tout ça. J'ai connu l'époque où, effectivement, les déplacements européens et, et avec l'équipe de France, par exemple, ouais. on était dans le, le même avion. Oui. J'ai connu des périodes où euh, on allait dans les vestiaires, tu vois, dans, dans les vestiaires, parce qu'il y avait beaucoup moins de médias aussi. On discutait des, tout, tout de suite. On allait à l'entraînement. Les entraînements étaient ouverts euh, mmh. aux, aux journalistes. On passait pas par l'attaché de presse du club ou un agent. Les agents n'existaient pas. Et moi, j'ai été très pote avec plein de joueurs. Des fois, j'étais en déplacement et je savais pas où dormir. J'allais dormir chez le joueur, etc., mmh. etc. En plus. On, comme j'étais assez jeune, on était sensiblement de la même génération, donc on, on pouvait avoir euh, voilà, une complicité en, encore euh, plus forte. Aujourd'hui, c'est vrai que petit à petit, euh, bah, cette proximité, euh, elle n'a plus été possible. Euh, Aujourd'hui, les journalistes qui suivent une équipe continuellement, les journalistes régionaux qui suivent une équipe ou, ou qui suivent l'équipe des France régulièrement, tout ça et tout. Oh, pour avoir accès à des chants, mais c'est toujours très professionnel, c'est toujours très mmh. policé. c'est, n'est pas pour autant conflictuel. Mais, mais bon, là après, c'est sûr que comme il comme y avait euh, ce, c est, c est, c est, ces rapports qui, qui étaient très amicaux, moi ma difficulté, parce que je suis un sentimental, euh, et que je disais les, les, mmh. les, les choses, mais euh, je ne voulais pas privilégier quelqu'un avec qui j'étais copain plutôt qu'un que autre, quoi, si veux, parce que ça n'aurait ça aurait pas été honnête. Juste, hein. Donc, c'est vrai que c'était toujours un crève-cœur quand, euh, quand a par exemple, faisait une connerie, tu vois, quand Luis Fernandez euh, se comportait mal, euh, quand Basile Boli euh, mettait un coup de coude à Klinsmann dans la gorge. Mais je le montrais et je disais le, 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 le fond de ma pensée. Et... Euh, alors, des, des fois, euh, bah Basile m'en voulait. Je disais « Attends, Basile, tu es, es gentil, je, je fais mon métier. Qu'est-ce que je vais dire Parce qu'on est potes. Euh, » mmh. Mais comme il était intelligent, ça. il le comprenait. Louise, je me souviens, trois jours après un, un match où je l'avais critiqué à, à domicile contre Toulouse, une demi-finale de Coupe de France, euh, où il avait été insupportable, bah, j'avais montré les choses et j'avais dit… Euh, voilà Louis c'est lui qui a arbitré quoi c'est lui qui a fait le match <laughs> enfin Louis Fernandez je sais pas. Oui. Et, et on se voit dans les vestiaires toujours après il me dit je te remercie Didier eh, je dis tu me remercies, tu me remercies. quoi c'est parce qu'on est copains bon bref euh, et Eric bon qui lui a plus d'orgueil me disait rien par rapport à certaines choses mais comme c'était des gens intelligents j'ai pas le souvenir euh, d'avoir euh, avec des, des des gens dont j'étais proche comme ça, euh, que ça soit arrivé à un point de, de non-retour. Autre... Mais ça pouvait créer de la tension et, et moi, ça me faisait de la peine. Mais mon métier et, et, et être honnête avec le, le téléspectateur, c'était quand même plus, plus, plus fort, quoi, parce que ça ne serait pas été juste, je pense. Et ce n'est pas facile de faire ça. Le... Non, ce n'est en... pas facile, mais je, je crois qu'il faut le faire. Et, et si ouais. la personne a, a de l'estime pour toi celle qui, est, qui sera critiquée à ce moment-là, il faut lui laisser le temps un petit peu du, 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 du recul, mais elle comprendra que ce n'est pas une, une trahison et qu'il y, y a deux personnes, il y a le pote. Par contre, je trahirai jamais euh, une personne qui me dit off ou, ou qui me dit certaines choses et j'en profite pour avoir mmh. le scoop euh, ou pour euh, tu, tu le vois mmh. ouais mmh. Et, et non non ça ça non là là c'est une trahison, j'ai jamais trahi non oui de toute façon si tu trahis dans ce métier Tu es grillé hein. oh, Tu sais, tu, sais tu peux être grillé avec une ouais. personne Mais c'est pas grave Parce qu'il en reste 400 autres Si le scoop en vaut la peine ouais. Moi j'ai vu passer des, des trucs Où je peux te dire que si je le sortais là euh, Bah ok J'étais grillé avec la personne Mais, mais les ennemis en profitaient après, mon, là. mon métier c'était tout bénef voilà. Mais ah, bon, bon. je ne l'ai pas fait c'est très intéressant. Vraiment, merci pour, pour cet échange. Joe, je te laisse enchaîner. Tu avais peut-être une autre une question. Non, que ouais. Mais après, c'était certainement... plus axé sur les Girondins de Bordeaux, justement, euh, par rapport à la situation. Je suppose que tu suis un petit peu, tu vois un petit peu ce qui se passe chez nous et la difficulté dans laquelle on est sportivement et même, on va dire, sur le contexte. Mmh. Euh, euh, par expérience, est-ce que tu as déjà vu du coup, une équipe euh, aussi mal embarquée en championnat et quand tu as un changement d'entraîneur, tu as une remontada qui fait que l'équipe arrive par du bas du classement et arrive à se retrouver en haut en fin de, en fin de saison. J'ai 36 ans. J'ai quand même ouais. une culture qui, qui est quand même assez développée malgré tout. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une équipe, par un changement de coach, vraiment mmh. faire un retour aussi monumental. Tu et, et, et ouais, peux te, te, te dire que Bordeaux, qui est dans les bas fonds du Bronx, là en ce fait moment, les les deux, puisse. Euh, euh, terminé 4-5e à, à la fin ça. du championnat ouais. grâce à, à un nouvel entraîneur. Voilà. Comme ça, je pense que ça, ça a dû exister, mais ça veut dire qu'aussi, euh, au mercato d'hiver, il y avait des, des, beaucoup de joueurs, tu vois, de, de très bons joueurs qui arrivaient et, et la maille prenait. Avec les mêmes joueurs, il est possible qu'il y, qu y ait des exemples, mais ça ne me vient mmh. pas en tout cas à l'esprit. Je mmh. me souviens que Saint-Etienne, il n'y a pas longtemps, était assez bas en première division, en Ligue 1. Ils ont changé d'entraîneur. Euh, gassé a, a, a pris les, ah oui, les vrai. commandes. Je ben, ouais. ouais, te ouais, souviens ouais. Ils fait remonter, Et ouais. Voilà, il, il avait pris la place de. Mm. Euh, comment il s'appelle, le gars d'un certain âge qui avait entraîné Bastia euh, je Entre sais pas non, pas de récit. Non, non, de... oui, de... de... non, pas de Non, de... non, de... non l'autre a succédé à Gassé. Pas... Pas... Mais dans ah. l'exemple, Gassé était arrivé un peu en cours de saison. Ah, oui, c'était printemps. Tu parlais de printemps après. Et surtout ouais. au au son adjoint, d d il a pris beaucoup d'anciens. Euh, M. Villa, Debuchy, des prés, tu vois, enfin des rues. Il a terminé pas loin de l'Europe. À moment, tu vois, il a terminé 5-6e. Je pense que pour que ça marche, il faut aussi des nouveaux joueurs pour, pour un nouveau souffle et, et un certain talent euh, quand même s'il n'y a que l'entraîneur qui change la remontada la même saison euh, il faudrait peut-être gratter mais ça me vient pas à l'esprit en tout cas mmh. je suis désolé mais non, allez, non mais parce que moi euh, non plus et j'ai <laughs> ouais, déjà éviter le national ça serait pas mal à part les temps qui ah oui c'est triste ouais, mais... ça ah ouais qu'est-ce euh... Qu que vous pensez justement de la situation des Girondins de Bordeaux aujourd'hui Écoute, pour être honnête avec toi, je n'ai pas vu jouer Bordeaux une seule fois. C'est pas grave. Hein. Quand, quand je croise <laughs> Jomiku euh, régulièrement, qui est un bon copain, très bon consultant, Jomiku. Ouais. Si avez... voilà. C'est Ce votre, c'est ton fils spirituel un peu, Didier. On a l'impression à l'équipe du soir. Il y a quand même une filiation sur oui. le foot, quand même, la vision du foot. Oui, oui, il, il a une vision du, du foot. Euh, on a une qui se rejoignent des fois, je pense. Qui se rejoignent, c'est clair. Et il a un franc-parler et une connaissance du jeu supérieure euh, à, à la mienne, euh, dans, dans la mesure où ce qui est formidable avec Joe, euh, c'est que, alors déjà, il a le courage de dire les choses. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est une forte personnalité. Est il est pas là pour séduire pour machin. Donc, euh, effectivement, il, il peut sans doute être, être clivant. Des fois, il a son caractère de cochon. Alors bon, truc. <laughs> oui, bon. Euh, mais, on personne, le connaît, on le connaît bien. <laughs> oui, personne n'est <laughs> parfait. Mais moi, ça, ça m'amuse de le faire euh, ronchonner comme ça. Oui, mais ça, parce que je sais que le, le fond est bon et qu'il est attachant. Et puis des canois aussi. Donc il y a, il y a une, euh, une solidarité, il parenté, le rouge et blanc. Mais au-delà de ça, il va te dire des choses que, que les gens ne voient pas. et C'est comme ça que moi je trouve ce qu'on demanderait, ce qu'on devrait demander à un consultant. Les trois quarts des consultants ils te disent des choses, tu le vois. Et, et Joe, de temps en temps, il va te sortir des trucs. Généralement, moi, je le trouve très très juste. Euh, et quand je le trouve pas très juste, ça veut pas dire qu'il l'est pas. C'est peut-être moi qui ne suis pas. Mais il, il va voir des choses qu'on qu'on ne voit pas spécialement. Et, et, je, et je fais partie des gens qui, qui, qui l'ont peut-être pas vu euh, spécialement. Hein, et, et en ça, pour moi, euh, toute affection mise à part, c'est le meilleur consultant télé aujourd'hui à l'heure actuelle. Après, c'est pour moi. Mais parce que je connais bien ou truc. Après, les goûts et les couleurs, il y a il n'y a, a, a pas de problème. Alors maintenant, je reviens, excuse-moi, je fais long, mais je perds pas le fil. Tu sais, je suis, je suis comme les chats. Ah. Déjà, survie. Tu peux le voir un <laughs> peu à travers le, le livre. Et puis, je retombe toujours sur mes coussinets. On a l'impression, je suis sur le fil, je tombe, tu vois, je truc Paf, ah, j'oublie pas. Et donc, ta question, c'était, qu'est-ce que j'en pense, Nani euh, Alors, je te répondais que... Je les ai pas vus jouer de la saison parce que maintenant il y a tellement de matchs. Si tu te mets à regarder les matchs, c'est que tu, il faut te soigner quoi. Je veux dire. <laughs> non mais il y a une vie aussi au à côté quoi. Je veux dire. Et cette vie elle est importante je trouve par rapport, même par rapport au football. Si tu es que dans le football, euh, bon, pas chacun est comme il est. Euh, ou alors, ou alors tu es entraîneur, tu, tu vois, ou tu es scout, ou tu es, tu vois le, le mec qui voit les matchs pour l'entraîneur après ou truc. Mais dans ce métier, tu, tu, as, tu peux quand même t'évader. Ça te servira aussi pour, pour ton métier. C'est ce que j'explique à, à des jeunes parfois. Mais après, bon. Euh, alors, c'est difficile de parler de, de quelque chose qu'on connaît pas. Après, vu de l'extérieur, euh, c'est vrai que c'est. C'était pas forcément sur le jeu. Hein. Oui, ouais. oui, j'ai bien compris. Ce qui, est, ce qui est aussi toujours très difficile. Alors, c'est vrai que Lopez, c'est quand même un. Un sacré oiseau aussi, tu, tu, tu as, as l'impression, maintenant tous ces fonds-là qui viennent de je ne sais pas trop où, et le, le football, il nous échappe un peu, et pour des, des supporters, c'est très déstabilisant. Bon. Euh, et puis ça peut aller très vite, parce que tu le vois pour Lyon, par exemple, j'ai peur que ça aille très vite. Et le, le drame de, de ces clubs, on dit les grands clubs ne meurent jamais, mais tu, tu, tu réalises que... que dans le football d'aujourd'hui, ça fait vite boule de neige et ça peut tourner à, à, à la catastrophe, quoi, quelque part. Peut-être tu descends en national et qui va prendre Bordeaux Ça va être encore une sorte de... Tu vois, ça, ça sent pas bon, quoi. Mais bon. Sinon, toi, ouais. tu en penses quoi, Éclair, mal lanterne, puisque moi, je ne vois pas du, du tout. Ça, moi. Oui. Ouais, ouais, bon, moi, je le dis toutes les semaines, a... ce que j'en pense. Oui. Ben, pense. Non, mais en deux euh... secondes, pour moi, tu vois. Non, mais pour oui. te le dire à toi, puisque tu ne tu, 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 tu sais pas ce qu'on dit, mais oui. euh, moi, c'est structurel. quoi. Si tu veux, y a... si tu veux le... Pour moi, ce que tu vois sur le terrain, ouais. ce n'est que la conséquence de tout ce que tu mets en place dans ton club. Déjà que, que bons bons cas, ouais. Ouais, ouais. déjà que pour avoir des bons résultats, c'est très difficile dans le football. Même déjà. si tu travailles du mieux possible, tu n'es pas sûr que ça va fonctionner. Alors quand en plus, tout n'est pas mis euh, en œuvre pour que le ouais. terrain soit ta principale euh, motivation dans le Bien club. Ouais. Euh, ça devient encore plus compliqué d'avoir des résultats, si tu veux. Si oui, dans oui. chaque strat du club, ouais. tout n'est pas, euh, pas calibré, carré, ouais, ouais. pour que le terrain en soit la finalité, le terrain ouais, et ses supporters. Ouais, ouais. Normalement, normalement euh, c'est ça. Mais, mais voilà. tu le vois, tu vois, je te coupe, tu le vois à Lyon. Lyon, c'est la conséquence d'une politique sur plusieurs années qui d'un coup, alors c'est Textor, et qui a une part de responsabilité, bien évidemment, parce qu'il n'a pas l'air très fiable, bon, il y a un discours qui change chaque fois, ses, act ses actionnaires, ses partenaires, etc. Mais c'est la conséquence de des dernières années d'Olas, où déjà, quand tu mets directeur du football, un mec qui ne comprend rien au football, lui, son métier, c'est de bien négocier les contrats, enfin savoir l'INEA 4, machin, il faut ceci, cela. Et il faut des gens pour ça. Mais là, tu n'es pas directeur du football. Le dénommé euh, Ponceau, j'ai oublié son prénom, c'est Victor Ponceau. Enfin, Vincent, Vincent. Enfin, Vincent mmh. Pinson. Ponceau, Ponceau, tu vois, enfin, <laughs> euh, Ponceau. Et, et je le dis, ça, dans l'équipe du soir, depuis une plombe, qui machin. Et manifestement, le gars du recrutement euh, l'un des l'un des deux jumeaux, donc, euh, C'est pas l'homme de la situation non plus, mais lui, holas, contre vents et marées, parce que ça l'arrange bien. Tu as un gars comme Juninho qui a peut-être ses défauts, mais qui a quand même la qualité un de bien connaître le football et deux d'aimer euh, à la vie à la mort l'Olympique Lyonnais, ce qui représente quand même deux avantages, ok alors que Ponceau, si demain il a un meilleur truc euh, à Alençon, et déjà il vient du rugby, tu vois. Et, et chez Roux, euh, je ne vois pas le rapport qu'il qu a filiale avec l'Olympique Lyonnais. Alors après, il peut peut-être bien bosser, mais il, peut, il semblerait que c est, c est ce soit vraiment le cas. Donc, euh, quand, quand tu mets un mec comme ça au-dessus de, de Juninho et il passe le temps, le, son temps à le, à le brimer à ceci, cela, ni. Quand, quand tu mets euh, ton argent, que tu pourrais mettre un petit peu dans, dans, dans l'équipe première, mais si euh, tu, tu vas faire la salle aréna de je ne sais pas trop quoi, le ceci, cela, alors je comprends que tu peux structurer le club pour qu'il ait une assise économique, mais à un moment, l'assise économique, elle viendra par les résultats sportifs, parce que tu peux avoir l'aréna de basket, le ceci, cela, le bowling nini, et patati patata, ou elle group tout ça et tout, mais si tu es en deuxième division, tu… Je ne vois pas le truc. Et après, et ben, si, si là, c'est Lukeba et Barcola, avant c'était Guimarès, après c'était Paqueta, etc., et que petit à petit, et ben, tu te sépares de tes meilleurs joueurs, à un moment, ça... Et, et, et les grosses conneries, tu passes à côté de certains joueurs qui, qui étaient pas chers, tu, tu, tu comprends, etc., etc., et, et que ta politique sportive, elle est nulle parce que tu as mis deux mecs... Euh qui ne qui, qui sont pas les, les, les hommes de la situation. Mais surtout que tu les maintiens parce que toi tu as raison, parce que voilà, c'est toujours oui, j'ai raison, je suis cela, voilà. Bon, bah, on, a, on arrive eh, là. Compliqué. Eh bien, on a, et la a la même, même chose à Bordeaux. C'est ce exactement C'est la, la même voilà. analogie. Un président ah, okay. qui est propriétaire, mais qui est aussi mmh. président de Boavista, qui était président il, il y a quelques euh, années de, de, du LOSC. Ouais. Un directeur sportif qui était directeur général à Boavista, qui est venu directeur sportif à Bordeaux, mais finalement, mmh. il était recruteur avant et il était recruteur au LOSC. Donc, finalement, ouais. tu te dis que si dans deux ans, ben, il sera peut-être, je ne sais, je sais pas, à Nice ou à Genève. Mmh. <laughs> je ne sais pas. C'est le nouveau football. Et ah, c'est oui. des gens qui sont maintenus et échec après échec, tu vois. Donc ah euh, oui, oui, on, on, oui, on ben, C'est euh, ouais, un, un peu comme dans la politique, hein. Et puis après, quand ils dégagent de, de, de leur poste, ils sont nommés PDG d'un grand groupe mm. ailleurs ou truc. Ah, voilà. Donc, euh, bah, écoute, un truc. Voilà. Donc l'analogie est Mais intéressante. Bon, ouais. euh, ben bah, c'est bien tout ça. 20h26. Ouais. Euh, messieurs, vous avez encore des questions Est-ce qu'on est allé au bout du, de, de Johan Micou Là, il y avait une petite question sur Joanne Miku. Toi, qui le connais bien. Ouais. Est-ce qu'un jour, il pourrait venir à Bordeaux avec un projet et s'investir Il s'était investi à je crois toi, à C'est dommage, ben, à un moment, il a compris que la présidente en question, parce qu'il avait trouvé un investisseur euh, et qu'elle, elle ne voulait pas partir. Donc, euh, Jo, il est un peu comme ça, il, il est sanguin. Il a dit, bon, c'est pas la peine que, que je me lève le popotin à, à longueur de journée et qu'à l'arrivée, quand on peut… Euh, à avancer et ben ça bloque si c'est ça euh, voilà il a des côtés cantonnesque d'ailleurs il lui ressemble même un peu physiquement il a un peu déjà la prestance d'un canton ouais. tu vois et, je, oh, oh, ça va l'ancien c'est <laughs> tout à fait ça on l'a vu jouer hein. enfin, ouais, bon, ouais, là, ouais. Non, après faut ouais, faut non, voir mais... si lui est motivé mais c'est vrai que en tant que supporter on a des grands souvenirs de Johan Mikou, le joueur, bien sûr. Euh, ou ouais. Au Girondin, il a quand même marqué l'histoire du club. Bien sûr. Et euh, c'est vrai qu'un personnage comme ça, qui ressent le football comme il ressent, on aurait tendance à se dire, il ah ben, peut aider le club. Ça, c'est vrai. Ça, ben, si tu avais un Mikou, ce serait formidable, parce qu'après, en plus, euh, c'est un homme honnête. C'est pas quelqu'un ouais. qui est là pour faire le beau ou, ou, ou parader. Euh, après, il faut qu'il ait à côté de lui. Euh, le gros financier aussi parce que dans le football d'aujourd'hui euh, malheureusement ça, ça ça passe aussi par là mais ouais ça serait et bien s'entendre aussi peut-être ouais. Didier parce que comme oh. tu dis c'est quelqu'un d'assez carré il peut ouais. pas venir avec n'importe qui peut-être travailler ah, non 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 il ne pourra pas voilà. venir avec n'importe qui ça. Euh, au, au moins bah, ça serait une garantie que la personne qui l'amène, euh, encore qu'il peut se tromper, parce qu'après, il y a Bien des sûr. gens, euh, mmh. tu sais, on croit qu'ils sont ceci. Je ne parle pas pour Joe, mais la personne qui l'amènerait éventuellement. Ouais, ouais. Puis après, les gens, ils deviennent fous avec le football, tu sais. Euh, bon, euh, on n'est jamais trop sûr de rien euh, dans, dans, dans la vie. Mais je, 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 je sais qu'il aime Bordeaux et qu'il aime ce, ce club. Donc, euh, ça serait une bonne nouvelle s'il si, si, si investissait. Ouais, mais après, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, euh, comme comme Kanto aussi. Kanto, il a il a des côtés coup de cœur, il peut paraître un peu fou, mais il n'est pas fou. Il est très vertébré aussi. Il a toujours une intelligence qui, 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 qui va loin, quoi. Et, et je pense que Joe est un petit peu un petit peu comme ça, s'investir, oui, mais pas s'investir pour s'investir. Lui, c'est pour que ça marche, quoi. Alors, après, Et dans quel rôle, du coup, ça serait moi, je le, vais, je le verrai. Je, je trouve que c'est. Tu, tu vois, entraîneur, de la manière dont il sent le football, etc., quand il était président de Cannes, enfin, il était président, il était sous un directoire euh, avec des, des, des jambons, euh, tu, tu sentais que. Il avait la fibre pour être euh, entraîneur et qui se faisait chier mmh. un peu dans le bureau à s'occuper de dix mille choses, même s'il était aussi sur le terrain, qu'il était dans, de, de tous les déplacements, euh, qu'il était sur le banc à côté des, des entraîneurs qui, qui, qui se sont succédés. Il y a, il y a eu Pavon d'ailleurs, qui est un grand pote à lui, qui a mmh. été un des entraîneurs de la SCAN à ce mmh. moment-là. Euh, je trouve que faire le, le grand saut comme Cantona, ça aurait été un entraîneur euh, magnifique. Mais après, ce qu'ils auraient la patience, c'est parce que l'entraîneur aujourd'hui, ça, ça demande aussi certaines choses. Qui t'éloignent du terrain, eux, ce qui leur plaît, mmh. c'est le terrain. Ben, ça serait plus dans un rôle de, de directeur de football de, du club de Bordeaux, quoi, si, si tu ouais. veux. Tu vois, je pas un mec qui va Voilà, le mec qui chapote tout l'aspect sportif, sportif de Bordeaux. Voilà, je... la coordination un peu, coordination. Ben, de, ça, de ça. Mais mmh. lié à, à l'équipe première. Après, évidemment, il regarde le centre de formation, tu, tu vois, il fait un, un projet plus, plus global, mais lié à l'équipe première. Tu vois, Juninho, il ne va pas se faire chier avec l'équipe féminine de, de, de Lyon. Même si je les respecte, c'est très bien, il gagne plein de trophées, c'est formidable, mais ce n'est pas son truc, ce pas, pas son truc, quoi, tu vois. Ah, c'est intéressant. Il y a Ludovic Obrania qu'on avait reçu qui avait ouais. un peu, qui nous avait dit euh, mmh. qu'il était partant pour un poste de coordinateur, hein, je crois. Des ouais, Ludo, connais, je hein, sais que lui, il veut s'investir, euh, il veut vraiment être entraîneur. quoi. Il a passé un peu des diplômes ah, pour oui. ça ou des trucs. Là, il, il avait une possibilité pour être adjoint, ça ne s'est pas fait à peu de choses près. Mais je, ouais, lui, c'est plus le, le terrain, Ludo, je pense. Mmh. Ouais, euh, nous, il avait bien assisté hein, quand on l'avait reçu pour un poste de coordinateur. Alors peut-être qu'il n'y oui, avait pas continuité ah Après, coordinateur, tu n'es pas loin oui, du ouais. terrain aussi. Oui, c'est au le terrain, un peu, entre, entre ouais. guillemets, bien sûr. Allez, messieurs, 20h31, encore une euh, ou deux, nous deux questions. On se fait plaisir. Oui. Merci, ouais. euh, Didier, pour ce mmh. partage hein, avec la communauté. Avec nous. Pas de problème. Là, je ne joue pas <laughs> de l'harmonica, mais ouais, je... C'est pas une téléphonie dans l'Ouest c'est que... À que à ah c'est... Vas-y, vas-y. Il On elle, prend elle, sa respiration. Ça. <laughs> euh, tu vas pas. Tu vas non. pas avoir la tête qui tourne après. Non, oh, pas... oh là, si tu vois. Je... <laughs> ça va, ça passe. Vas-y, Joe. Ou... Non, moi, j'ai une petite question oui, par rapport au, après, justement ouais. au Grand Bordeaux des années 80. Ouais. Que nous, on n'a pas trop connu, Nico a connu, mais moi je l'ai connu ben, en après plus, en me renseignant, mais je ne l'ai pas, vu, je pas je vécu. Pas. Moi je suis dans les années 90. C'est -ce plus que les, le années grand... 90, jouer, les années ouais, 90, oui, les années 90. Ouais, c'est ça, moi c'est 90. Mais c'est ma, ma ouais. première VHS, c'était toi justement qui étais au commentaire, c'était les plus grands matchs de Coupe du Monde, c'était une cassette France 2 de 92, ou tout comme ça. C'était ouais. le plus grand match de Coupe du Monde de 70-80, et j'ai découvert le France-Allemagne avec ta voix justement ah en ouais. Donc euh... Ça va. Donc voilà, donc mmh. déjà on découvrait des choses, enfin, j'ai découvert des choses grâce à toi déjà au départ, donc je te remercie. Bon. Déjà. Mais non, mais j'avais une, que... une petite question par rapport au grand Bordeaux en fait, des années 80, parce que j'ai du mal à capter un petit peu le... la puissance qu'avaient les Girondins à ce moment-là. Mmh. Je ne sais pas si c'était comparable, enfin, si le Bordeaux des années 80 avait les gens de l'époque vous voyez autant euh, Bordeaux en possibilité de gagner une Coupe d'Europe comme Saint-Etienne, Reims ou Marseille dans voilà, leurs grandes époques. Est-ce que Bordeaux c'était ça ou c'était pour toi un cran en dessous quand même c'était un peu ça quand même, euh, mm. mais peut-être pas la gagner à, à cette époque-là. Il n'y avait pas la Ligue des Champions, donc le chemin ouais, était ouais. un peu moins long. Si tu veux, mm. il enfin, y avait un tour en moins, quoi. Il n'y avait pas les huitièmes ouais. de finale. Tu, 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 tu passais ton groupe, il y avait quart, mm. demi, euh, finale, mm. euh, et, et ils avaient une grosse équipe euh, quand même. Et puis les années 80. Le football français est top euh, au niveau sélection, puisque tu ouais. vois, il y a 82, l'Euro 84, 86, etc. Ça, ça, ça coïncide. Tu as des joueurs merveilleux comme euh, Girès, euh, Tigana, Marius Trésor, euh, Girard, tout ça. G, G Girard ah. dans un autre registre plus mmh. euh, le rôle du méchant <laughs> et, et puis après des valeurs sûres <laughs> quoi comme Specht le même des internationaux où il l'avait été à droite Tounel, à gauche Tissot voilà. et puis chaque fois quelques étrangers tu vois des formulaires bon, ouais. etc. Chalana mmh. euh, qui va te marquer ce, ce, ce tir au but penalty euh, ouais. ouais, sur mauvais pied. Ouais. Euh. Euh. D'ailleurs j'en parle tôt. un petit peu dans le dans le livre mais bon d'une manière plus est-ce que tu as remarqué, Gino? Gino. Oui. Dans le livre. Oui, ouais. oui, bien sûr, bien Tu oui, as dans sûr. le, le jacquet en exil, euh, Neil Bon, tu as, as compris la vision. C'est très bon, mais, bon ça, sur le ouais. Et ouais. Et ils avaient le, le potentiel. Ils ils ont été pas très très loin quand même. Je pense mmh. qu'il aurait fallu qu'ils aient peut-être. Euh, ils avaient des, des bons étrangers, mais. Peut-être deux. À l'époque, tu pouvais voir que deux ou trois étrangers. Ouais. Euh, je pense que c'était deux, tu vois. Euh, c'était très fort, quand même. C'était très mm. fort parce que c'était une équipe euh, pas si spectaculaire que ça. Euh, parce que c'était un peu l'école Aimé-Jacquet. Si tu vois France 98, l'air mm. euh, ouais. de rien, mm. c'est quand même euh, pas la sécurité à tout prix, mais c'est quand même une C'est la solidité, continue, ouais. puis, Voilà. Mm. Mais quand il y avait des joueurs comme Giresse, tu vois, et tout, bon, mm. c'était quand même merveilleux. Ils étaient. Pas si loin que, que ça. Ils, 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 auraient pu, ils auraient pu, avec un petit peu de réussite, et peut-être que les deux étrangers soient Top Gun, quoi, tu vois ouais. sans, sans être Maradona ou, mmh, ou oui, oui. Platini, mmh. euh, tu vois. C'est sûr que dans cette équipe-là, tu sais. Euh, tu rajoutes Platini, puisque Platini peut jouer avec Girès, ils l'ont trouvé mmh. en, 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 en sélection. Mmh. Alors, ce n'est pas ah. n'importe quel joueur, Platini. Je dis, tu rajoutes Platini, comme si je dis… <laughs> C'était le meilleur joueur à l'époque du monde. oui, c'est sûr. Je rajoutes voilà. Ma, voilà. ma cousine ou ma concierge, quoi. tu vois. Non, mais comme il est français, tu vois, il, mmh. il, il aurait pu... Euh, il est allé à Saint-Etienne, mmh. parce qu'il était mmh. gosse, il, il voyait, tu vois, Saint-Etienne, oui. 75, 76. Juste après la grande époque, Donc, ouais. donc ouais. Euh, il va à Saint-Etienne en, en, en 79 mais si en 79, parce que Bordeaux n'était pas... Mmh. Il va à Bordeaux, peut-être, euh, là... Oui, ça euh, peut changer. Les, oui. Ah ouais, ouais. Il manquait pas grand-chose. Voilà, pour répondre à ta oui. question, tu vois, il manquait pas ouais. grand-chose. Il ouais. y avait dit. des liens avec ces joueurs de, de l'époque Didier, que vous avez eu, euh, que tu as eu, avec Jean Tigana, avec Girès, avec -ce cette y avait, bande dit... des années... Des liens qui se sont ah ouais. créés Ah oui, oui, oui. Il des Parce liens. que c'est les années... Euh, tu en parles dans le oui. livre les oui, années oui. Michel, notamment. Bien, bien sûr. Ah non, non, il y, y avait des liens très forts. Il y en a encore. Euh, euh, Jeannot, moi, je l'ai vu il y a deux ans encore à Cassis, euh, tranquille. Et puis, on, était en, on reste en contact d'un peu plus loin parce que la vie fait que. Avec euh, Alain, Gigi, il était archi présent euh, sur, sur l'appli de, de la Roustanie. C'est un bonheur, Alain, quand il parle de, de football. On a refait France-Allemagne euh, France 82, ouais. avec lui notamment. Je l'ai fait sur 22 oui. épisodes, avec des images d'archives, avec des oh. interventions de lui, de patati patati Non, mais il faut mais... aimer le football pour être sur ouais. la pique, tu vois. Simplement, bah, ça oui. coûtait 2,99 euros par mois. Bah, je suis désolé. Ouais, tu... <laughs> bah, oui, tu vois, j'ai fait au plus petit-petit, mais bon, manifestement. Mais je pense qu'on n'est pas un pays de foot, de toute manière. Donc. Euh... Mm. Si tu parles du, du football, tu vois, mais, mais dans toute sa, c est, c est son essence, quoi, tout, tout de suite, les gens, tu vois, c'est un peu décevant pour, pour connaître bien l'Italie, l'Angleterre, des pays en Amérique du Sud, l'Espagne. Alors, c'est est le sport numéro un. On est passionné de foot. Il y a des passionnés, mais Beaucoup moins, quoi. C'est moins un art de vivre, une, une culture. C'est ça. Ouais. Euh, voilà, c'est pas une culture et mmh. bon, bah, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Mais pour revenir à ça, euh, oui, euh, Thierry Tussaud, euh, on, on avait joué l'un contre l'autre une demi-finale de Coupe de France Cadet à Marcel Sopin. Moi j'étais à Cannes et lui, il était à, au, au FC Nantes. Donc, tu vois, déjà là, sans, sans se connaître, on ne savait pas. Et puis après, je, 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 je l'ai connu aussi euh, euh, assez bien. Et, et, puis, et puis, des tas d'autres. Marius, je suis toujours en contact avec Marius. Marius, pour moi, c'est un, un monument. Marius Trésor, c'est un, un homme euh, merveilleux. Non, 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 il y, y avait beaucoup de contacts, même s'ils si me reprochaient, mais ils ont raison. Ah <laughs> euh, oui, à ce niveau-là, oui, je n'ai pas, niveau pas été bien. Moi, je suis de Cannes, donc. Et j'avais mes parents à Cannes et mes copains à Cannes d'enfance, mes copains de foot, mes copains de lycée, etc. etc. Donc, chaque fois qu'il y avait un match à Monaco, à Nice, à Marseille, puisque c'est à une heure et demie de, de, de Cannes, et, et Cannes, si vous si, avez un peu quelque chose, mais à l'époque, ils étaient en deuxième division, moi, j'allais faire le match de téléfoot dans, dans, dans une de ces villes-là. Et donc, pas à Bordeaux. Okay. Mmh. Et donc j'étais beaucoup plus fourré à Monaco, qui en plus était à la bourre avec euh, Bordeaux. Monde, oui. Donc je sais qu'il qu tirait la gueule. Mais bon, euh, c'était. Et c'est vrai que quelque part, euh, c'est pas très bien de ma part, mais bon, moi j'avais mon chien <laughs> qui était à Cannes, tu vois. Euh... Hein et ouais, mais c'est important, c'était mon chien, je voulais oui, le voir, oui, j'ai oui. le truc et tout. Après, je faisais mon métier. Après, j'étais honnête. Oui, oui. Si Monaco jouait mal, je, je disais qu'il jouait mal. Si il jouait bien, je disais qu'il jouait bien. Mais je sais que ça allait ça toucher. Et je me souviens d'un match au stade Louis II où il joue le titre et, et Bordeaux perd 2-1. Il y a Audrain qui marque un, un, un but, mais en face il y a Bellone, Gingini, bravo, tout ça et tout. Et finalement, Bordeaux, parce que Monaco va chier dans la colle les, les quelques derniers matchs, alors que là il passe en tête, et Bordeaux, c'est son premier titre de champion où il gagne à Rennes avec un but de mmh. Bernard Lacombe, tout ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Et à oui, la merci. sortie. À la sortie, quand on faisait ces matchs de téléfoot le soir même, chaque fois on descendait de la tribune de presse, tu vois, cinq minutes avant le coup de sifflet final, et on, allait, et on attendait au, au bord de la pelouse ou, ou pas loin le coup de sifflet final. Et là, le journaliste en question rentrait sur la pelouse, chopait un des deux joueurs, enfin un joueur de chaque équipe, pour faire une interview. Alors bah 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 bah, alors bah 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 bah, alors bah 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 bah. Et après, on filait faire le montage. Et, et on commentait peu de temps après dans, dans le téléfoot qui, qui passait. Et là, moi, je descends quelques minutes avant pour choper deux de joueurs. Et Tigana est, est remplacé et il est furieux, il est truc. Euh, et, et il va, euh, juste avant la fin du match, il, il rentre dans les vestiaires. Ou s'il n'est pas remplacé, c'est que c'est la fin du match, on se croise. Et il, il voulait me frapper. <laughs> il dit, ah, gaga, gaga et toi, et tout, machin. Alors il y a des mecs qui le retenaient tout ça. Moi je, je me marrais. Je, je me disais, putain, retenez-le, mais si, si vous le retenez pas, c'est lui qui va, qui va, qui va morfler. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc tu vois, des fois, ça, ça pouvait... Bon, il y avait des prédates de la ligne, quoi, machin. Mais tu vois, c'est des petites histoires comme ça. Mais on s'aimait beaucoup quand même. Mais des fois, euh, voilà, des histoires de... de, de c'est génial. L'anecdote, notamment, bah c'est un autre truc, mais avec Michel Platini aussi sur le terrain à Turin mmh, est extraordinaire. Mmh, dans le livre, mmh. je vous la conseille. Ça en dit beaucoup aussi. Uh, on ne la dit uh, pas. Mais, mais voilà, je ne dis pas, mais ouais. uh, ce qui, voilà, c'est. Voilà. Uh, mais à l'époque, t'en donne, donne une autre, tu vois. Je, 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 je vais à, à Turin pour euh, faire un match. Euh, du lendemain, tu vois, Juventus, je ne sais pas trop quoi, euh, qui était le dimanche après-midi, et je suis le samedi, et putain, je réalise que j'ai pas de blé. Et à l'époque, il n'y avait pas de carte bleue, tu vois, ou, ou de choses mmh. comme ça, ou j'en avais pas sur moi, et, et j'avais pas, tu vois, pour payer l'hôtel, les trucs, patati patata. Et qu'est-ce que j'ai fait Moi, je suis arrivé, tu vois, j'ai appelé Michel. Qui vivait donc à Turin. J'ai dit, putain, Michel, je suis dans une mer de noir, j'ai pas de blé. Il me dit, putain, que tu es con, toi, machin. Qu'est-ce <laughs> qu que tu as Je <laughs> lui dis, ouais, mais j'ai pas de blé. Et je vais pas dormir, euh, tu vois, euh, sur le stadio communal euh, toute la nuit, quoi. Enfin, j'ai oui. je quelque part, il faut que je bouffe. Et, et ben, il, il me dit, c'était la veille du match, tu vois, des fois, bon. Il, il, il me dit, il faut combien? Ah, ben, je lui dis, il me faut ça. Je sais plus combien, tu vois. Il me dit es où là ben, Je lui dit je suis pas loin du stade. Bon, il me dit je suis dans le stade dans un quart d'heure je t'amène le blé. Hop, il est arrivé, et, tu vois, il s'est déplacé, c'est quand même Platini, tu vois, c'est quand bien, même, bien, même oui, oui, ça. Bien, bien il sûr. Me dit, tiens, un truc et tout. Et je lui dis bon, ben, je te rendrai. Il me dit bon tu me rendras quand tu pourras, on s'en fout. Enfin voilà. Truc. Ou des fois j'arrivais à Turin, je l'appelais, je lui disais parce qu'à l'époque. Euh, ils étaient un peu à la pointe au niveau mode, les Italiens. Mais, mais oui. pas que, que des trucs qui valent la bombe, quoi, si, si tu veux. Tu vois, il y a des magasins sympas et tout. Mm -hmm. Et l'une des premières fois où je suis allé à Turin, je l'ai appelé, je lui ai dit, euh, Michel, euh, donne-moi un peu des, des adresses euh, ou des trucs sympas, des, où je peux me... Mais tu vois un peu mon style, tout ça. Mm -hmm. Il me dit, qu'est-ce que tu machin euh... Il me dit, moi, j'y comprends rien, un magasin de trucs, je te passe ma femme. Hop. J'ai euh, voilà, voilà, il faudrait... Voilà, ça, ça se passait comme ça. incroyable <laughs> C'était humain, quoi. Tu vois, c'était sympa. C'est voilà. comme si aujourd'hui tu applais Zidane, quoi. Bon, ouais, tu euh... Zidane, tu Tu machin, mmh, ouais, pas, ouais, ouais, pas ouais. d'argent, <laughs> ouais, ouais, ouais. Mais peut-être euh, tu as pas le téléphone et puis il ne va pas te prendre et puis plein de choses. À oui, l'époque de Zidane, oui, oui, ça pouvait rester ça. Ça, ça oui, encore, oui, mais oui, c'était là à toute fin, tu vois. Je me, je me souviens une fois, j'étais au syndicat mondial, je l'ai au téléphone, on discute et tout. Puis à un moment, il me dit Oh, maintenant il faut que tu me laisses parce que j'ai une faim de loup, là, j'ai faim, j'ai faim. J'ai dit Tiens, faim. Il m'a dit Ouais, j'ai faim. Moi, bon, j'ai dit Je te laisse, j'ai une faim de loup. Euh, C'était <laughs> voilà. plus simple, mais il avait faim. Avant, ouais, enfin, bon, on avait discuté ça... avant, quand même, tu vois. Ah bon, ça va. Ouais. Pour ceux qui ne te encore, connaissent en pas, en les plus jeunes, tu as ouais. fondé une association Foot Citoyen pour lutter ouais, contre les violences. Magnifique, et non, ouais, et extraordinaire. Contre le racisme. Tu as... Non, ce n'est euh... pas contre le racisme, c'était pour non, euh, non, aider mais... à, à vertébrer des, 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 des gosses à travers les, les valeurs du football, enfin des gosses qui avaient des problèmes. Et, d... qui... ouais, bon. ouais. Les et les éducateurs aussi, Didier. Et, et donner des outils pédagogiques adaptés aux éducateurs pour qu'ils sachent comment s'adresser aux gosses, qu'il y avait une certaine approche de, de gosses qui sont comme ci, comme ça. On a aussi travaillé dans des prisons, on a travaillé avec protection jeunesse judiciaire, avec des éducateurs spécialisés. Enfin, c'était quelque chose... Parce que par le, par le biais du football, tu peux réaliser des, des tas de choses. Quoi. Voilà. Et tu as été footballeur à la Cannes, libéraux, et j'ai vu que tu étais un peu trop turbulent et tu as été suspendu. Ouais, ouais, j'étais, mais j'étais pas dur, hein, pas méchant, mais j'étais peut-être un peu trop pur, quoi, et, et des fois un peu révolté. Donc, euh, tu allais dans des coupes-gorge, je, je, je me laissais pas faire. Donc, euh, des fois, euh, ouais, j'étais un peu suspendu et tout. Mais j'étais pas, j'étais dur dans le contact, tu vois. Moi, j'étais plutôt esprit rugby, euh, mais, mais pas dur pour être dur, et, et jamais je, je visais une cheville ou, ou faire mal ou truc, jamais je parlais, tu vois. ou voilà mais des fois ouais j'étais un petit peu un petit peu suspendu ici et là c'est vrai <laughs> mm. vas-y Gino Alors. tu voulais bon on va bientôt non, non non à, non non ouais ouais non le, le le dernier passage dont tu parlais sur foot citoyen j'ai trouvé ça extraordinaire dans le livre mm. et les outils que vous avez mis en place la et manière ouais. d'apprendre le foot et, et sûr, ouais. bon mm. ça, ça a des répercussions bien sûr quand on voit maintenant euh, les, les difficultés qu'on a euh, ah, ouais, dans ouais. la société et bien sûr, bien sûr. Dans, dans le ouais, foot, mais pas ouais. que, quoi. Ouais. C'est un reflet aussi de la société. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est ouais. un, un passage que je connaissais peut-être le, le moins entre guillemets ouais. euh, sur cette œuvre-là, bien que j'en ai ouais. entendu parler. Je m'étais pas assez intéressé à la chose. Ouais. Moi, venant du rugby et étant éducateur depuis plus de dix ans maintenant, ouais. je me dis que avec des outils comme ça et des personnes qui accompagnent, bah, c'est quand même extraordinaire, quoi, d'avoir fondé ça, quoi. Et tu sais, ça a été un travail de tous les instants pendant 15 ans de ma vie où j'ai mis beaucoup de, de sueur, euh, de sang, entre guillemets, et même beaucoup d'argent pour elle, elle, elle survive, quoi. Et où j'étais totalement bénévole. Et, et ce qui est fou, c'est que les gens qui ne nous ont jamais aidés, ça a été les gens de la Fédération française de football, tu, ouais. tu vois. Alors que, mais, mais bon... C'est comme ça, ouais. ce qui a été fait a été ouais. fait, il n'y a, a pas de, de, de regret à avoir. Le seul regret, c'est qu'on aurait pu réaliser encore plus de choses et des plus de, de gosses ou de, de, de clubs et tout ça, quoi. Mais bon, ces gens-là, eux, ils s'en foutent, tu vois. Ils ont peur toujours leur, leur petit truc, que, que, que tu leur fasses de, de l'ombre, alors que moi, je voulais juste un partenariat. Tu, tu, tu vois, c'était dans leur intérêt. Mais ils ne sont même pas intelligents. Donc, c'est pas, pas, pas <laughs> tous. Il ne faut pas non plus généraliser. Mais dès que les gens, ils ont de, des petits pouvoirs et que malheureusement, mmh. ils n'ont pas les compétences derrière, mais bon, c'est. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, messieurs, oh, j'ai toujours envie d'y râler une dernière. <rire> non, <rire> si tu, bon, si tu... tu veux, on prend rendez-vous dans une quinzaine de jours. Et bon, on se recontacte. Et tu nous dis combien non, de mais, milliers non, de ventes tu fait ouais. avec cette émission non, <laughs> alors, alors, vente, voilà. tu sais, Je pense non, pas qu'on en fera beaucoup parce que les gens lisent peu. Je ne suis pas Mbappé ou ce n'est pas les mémoires de, de je ne sais pas trop qui. Euh, moi, j'essaie de, de défendre le, ouais, mais... le, le, le bébé. Je, je, je trouve quand même que c'est un beau cadeau pour... Euh, si tu aimes le foot, tu vois, c'est un beau cadeau que tu peux offrir à un copain qui aime le foot. Euh, parce que tu sais, des fois, tu ne sais pas offrir, tu vois, des, bon, des fois à ton père, à ton cousin, à ton truc, tu, pour le principe, tu vas prendre un truc, mais tu sais que ce truc, il, il va terminer dans sa cave au bout de trois mois parce que tu, tu sais pas trop ce qui. Moi, mon père, il aimait les chats, donc chaque fois, j'ai ramener des trucs avec les chats, je sais qu'il a Mais, ou, ou toi-même, si, si, si tu aimes le foot, quoi, tu vois, mais bon, là, on est en période de Noël, je pense qu'on est d'accord, tu vois, je ne veux pas vendre le morceau, mais. Euh, ou faire une promo imbécile, mais on est d'accord que sur ces 428 pages, Gino, tu, tu passes du bon temps. quoi Tu apprends des. Ah non, des choses mais un... Non, mais tu, franchement, tu, tu te eh... régales. Voilà, c'est pas... un vrai plaisir à lire. C'est un vrai ouais. plaisir à lire. Ouais. Il, y a, il y a des choses qu'on apprend, des anecdotes et autres, mais il y a un goût du voyage moi, que j'ai adoré. Mmh. Par exemple, mmh. on n'en a pas trop parlé, mais le voyage aux USA, quand tu vas commenter ah ouais. la boxe et Tyson, ouais. c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais, 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 ouais. Le combat ouais, a, de Tyson, je dis a, rien a, de plus, mais ouais, c'est exceptionnel. Il y, a, il y a un petit peu de, de, de tout, quoi. Il y, a, bah ouais. il y a des voyages, des anecdotes, des, 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 des combats, des, 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 des rencontres. Tu vois, j'ai fait une magnifique rencontre avec Socrates. Ça avait duré une oui. nuit à Ribeiro Preto. Tu vois, je ne l'ai même pas mis dans, dans ce ouais, livre. Parce que ouais, je te ouais. dis, moi, j'ai écrit à l'instinct. Et puis, à un moment, à la fin, voilà, fallait... on était parti sur 260 pages. Finalement, ça en fait 428, tu vois Et ça, c'est moi, quoi. Donc, euh, voilà, on voilà un ouais. peu. Et, et ils ont été assez sympas d'accepter, euh, parce qu'ils ont gardé le même prix, mais le papier, ça coûte. Le poids d'un livre, ça coûte, tu vois Mais moi, j'ai dit non. Gardez tout, déjà qu'il n'y a pas tout. Alors, euh, déjà, <laughs> ça. Et, et l'éditeur, euh, ouais, mmh. ils, ils ont été sympas. Donc, on, on verra bien s'il y a un numéro 2. Ça ne dépend pas de, de moi, maintenant, à voir si... Si... mais je sais que par expérience les, les, les bouquins de sport ça, ça se vend pas beaucoup mais c'est pas grave je le fais pas pour l'argent de toute manière parce que tu es perdant au bout du compte par rapport à l'investissement que tu mets et ce que ça rapportera mais voilà c'était bien de l'avoir fait d'être fier c'est important d'être fier de ce qu'on a fait même si c'est pas non plus faut pas... mais j'y ai mis tout mon cœur et, et après le reste c'est du bonus quoi, on va dire eh bien, merci euh, on sent, Didier. On sent avec Puzzle que Gino. Voilà. Ouais. Et on va lui emprunter. Et merci pour <laughs> ce beau texte, euh, euh, mon cher ah. Gino. Voilà. Merci Didier. Non, mais merci pour le livre. Et franchement, merci, Gino. Euh, on le conseille à tous les sociaux et tous les suiveurs, franchement, parce que moi, je me suis régalé. Et ça en dit beaucoup sur le personnage et cette vie qui est assez extraordinaire dans le monde du foot. Et même les anecdotes et tout. mais les rencontres avec d'aussi grands joueurs et. Les mises en relation aussi, le partage. Franchement, je conseille ce livre parce que moi, je me suis régalé. Eh oh. C'est magnifique. Euh, je te dis d'abord au revoir, Joe. Merci, Joe. On se dit à lundi, Joe, pour le talk. Euh, Gino, à lundi pour le talk. À lundi, merci, ouais. merci, merci à tous. pour ce partage, du temps accordé à, merci à, à Web Girondin merci à TV, ouais. à la communauté, à nos sociaux. Toi, t'as les braves, nous, on a les socios. Et ben voilà. Donc, <laughs> euh, qui nous soutiennent aussi, qui sont abonnés <laughs> sur le ben site, oui, voilà. et vrai, pour vrai. pouvoir euh, continuer, c'est obligé. Bon, ben j'espère qu'ils ont passé voilà. un bon moment, et, et puis merci à, à, à vous trois pour ce bon moment aussi. Je te dis, dans quelques jours, trois semaines, tu m'appelles, on fait des prolongations. Ah alors là, il ne fallait pas nous le dire deux fois. Je l'ai déjà dit deux fois, mais je ne dirais pas. Dans la saison, ça bien. C'est génial. On va se avec le générique des sociaux. On est Quel jour On est jeudi, donc je vous dis à samedi pour le débrief à chaud du match Bordeaux-Annecy. Ça sera à 17h en direct ici. J'espère qu'on réagira à une victoire. Ça fait déjà arriver. La pluie du match fait déjà arriver, en tout cas. Bordeaux, Annecy. Ben oui, bon, mais Annecy, ils nous ont battus. Et... <laughs> C'est ça, en plus. Eh oui, oui. Allez, euh, je vous embrasse à tous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous, si vous regardez le replay. Et à très vite. Ciao. À bientôt. Et allez, Bordeaux. Ciao. Et allez, Bordeaux. <laughs> I used to stick around definitely not for too long but boy you got me hooked and made me want to write this song got all guys already scared but i'm aware that you're special so let me take us somewhere where we could be alone when i look at you i see a pretty picture you're the sun on the sky and we're so complete let me water you my flower I'll how to open up a nice, baby? <laughs> uh. Why don't we give it a go? See.